passer. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Il va enfin payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Oui, ma fille. Ton pauvre père va enfin être vengé. Le chat va pouvoir faire ses valises et rejoindre ses potes à Washington. Je pense que j'aime le chat. Il a été choisi par Dieu. Si, absolument. C'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Dieu est la maîtresse aussi. Tout d'abord, le chat n'a pas été choisi par Dieu. N'importe quoi. La maîtresse... Chut. Tout ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du chat, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Qajar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk. Je moderniserai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour. Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi? Empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Ce n'est pas faux. Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la République. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Maintenant, c'est moi le roi. Tout ce qui est à vous m'appartient. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oh! Oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il aimait son pays, en quelque sorte. Pas comme son fils, qui lui a succédé. Le roi, c'est moi, maintenant. Je suis la lumière des Aryens. Je ferai de ce pays le plus moderne de tous les temps. Notre peuple retrouvera sa splendeur.